Comme d'habitude, pour me dire comme à l'accoutumée, je ne parle pas français, je ne parle pas Jésus. Hier, nous avons une démonstration qui fait dans le Port-au-Prince. Nous avons dit, Port-au-Prince, chaud convélan. Un bon acte politique Abdou, c'est à quoi pour jouer, pour résoudre le problème insécurité qui est là, pour résoudre le problème kidnapping. On l'autre bon ambassadeur Canada, Vindou, carrément, c'est pas ni blindé, c'est pas ni acheter gros armes pour la police qui pral résoudre problème insécurité nous là. Et bien je dis là, on pral dou exactement qui ça lié en dedans primature avec plus passé 22 millions de gouttes chaque mois qu'a dépensé pour service de renseignement à la discrétion même du premier ministre. Ça veut dire pas une loi, pas de décret, pas rien qui encadre 22 millions de gouttes chaque mois ça que nèg yo gen en pour service de renseignement. Et nous là, il y a kidnappé nous, il y a violé nous, il y a touillé nous, il y a assassiné nous dans quartier populaire, nous est nèg bandi yo, yo même rivé faire blender pa yo. Donc faut que nous connaissons qui ça cap régler dans la République. Faut que nous connaissons qui ça nèg yo aujourd'hui a régler dans la République. Restez là, on va avoir plus d'informations, plus de détails. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde, comment nous y est? M'espère nous en forme. Jodi là, c'est un plaisir pour m'en avec nous. Nous avons remarqué ça. Et voir pas fin de bon voir pas clair parce que mon grippe qui a fatigué, mon fièvre qui a fatigué moi. Et depuis mardi soir, c'est l'hôpital mien avec caméraman moi. Il dormi l'hôpital, levé l'hôpital hier. Nous avons remarqué pas là pour me présenter nous émission Mon éditorial avec Yannick. Mais jodi là, gain les mieux qui fait gain amélioration donc on te juger li nécessaire pour me là avec nous et m'a dit non bagay qui extrêmement important pour moi me voulais partager li avec nous non seulement c'est l'amour attachement sentiment de devoir ça me gain envers pays qui fait jodi am ka là m'ka choisi continuer travail en camper à faire travail malgré tout et souci qui gagnent malgré tout et découragement qui gagne tout parce que en pile fort travail pour une communauté, on travaille pour satisfaire une population et puis en pile là on pas comprendre qui sacrifice travail à mandé. En pile là on pas comprendre qui est fort travail à mandé, qui est fort consenti pour faire leur vini pour présenter un travail. Donc c'est l'amour pour nous. C'est l'amour nous gagne pour moi, appréciation nous gagne pour travail là qui ban moi courage, qui ban moi plus détermination pour me là malgré vents et marées. Tête fait mal, pas tête fait mal, grippe pas grippe, malaise pas malaise depuis me senti au moins me cachita. Me ca vini font 20 ou 30 minutes avec nous m'a fait en dépit de toute bagaille qui carrière. Bref, nous pral parler pays, nous pral faire débat parce que moi dis non. Hier, ça qui passe dans cœur Port-au-Prince, c'est pas seulement dans cœur Port-au-Prince. Ce n'est pas seulement Port-au-Prince, ce n'est pas seulement capitale pays qui est sujet à questionnement. Parce que je dis, le comportement n'est pas qu'un acteur politique. Le comportement n'est pas qu'un nègre qui constituait la communauté internationale, que le thème est binu, que le thème est corps groupe, etc. Il y a une action à poser, il y a une décision à prendre dans nos peuples haïtiens. Qui je dis, mettez nous exactement à côté de nous. Nous ne pouvons pas oublier, c'est même binu, c'est même madame la lime. Qui te fait président Jovenel Moïse obligation pour fédérer G9 famille alliée. Jodi an G9, G-Pep, DG sa yo, yo décidé à affronter dans Port-au-Prince. Yo décidé que bicentenaire, c'est terrain bataille, c'est champ de bataille. Belé, Bala et Badelma, etc. C'est côté pour négo alpété balle, c'est côté pour négo faire affrontement. Alors que population civile l'a souffert. Alors que jodi an là, chaque acteur yo qui sont bon port de responsabilité yo ferme jeu yo yo bouche oreille yo yo pa wè yo pa tande et ou même qui sort ou fait qui sort café ou a saisi pour tande en dedans la primature gagne plus passé 22 millions de goudes chaque mois qu'a décaissé pour faire qui ça pour renseignement c'est pas ni la loi c'est pas bon loi
qui encadre le pagon décret, qui encadre ses bonnes volontés premier ministre. Donc si Ariel Henry décide matin là, dans 22 millions de goudza, la voyer 10 millions, ba un groupe bandi, pas de monde qui ka dit non, pas de monde qui ka empêcher. Dans 22 millions ça, y a voyer 5 millions, ba un autre groupe bandi, pas de monde qui ka empêcher. Y a décidé engager mercenaires, pas de monde qui ka empêcher. Parce que autorité en dedans pays nous, soi-disant autorité en dedans pays nous, yo plus utiliser l'argent qui gagne dans trésor public là pour mettre sécurité, pour renforcer sécurité publique pour chaque grand haïtien qui vit tant que mon en Haïti, yo utiliser dans corruption, yo utiliser pour alimenter insécurité pour yo ka kembe poste de pouvoir yo. Yo utiliser en dedans pays yo pour yo ka qui non seulement kembe pouvoir yo, mais renforcer ça yo gagne comme structure politique, comme différents partis politiques ou groupements, organisations populaires qui derrière qui dans camp yo. Nous voilà avec accord en septembre primature là. Nous pensons c'est de bonne foi que tout nèg sa yo aller dans primature en septembre si accord avec Ariel. Je dis à qui est-ce qu'a diriger. C'est pas mon en septembre yo qui sont attendre, qui sont apprendre. Ou pas attendre gain division qui pété en dedans secteur démocratique populaire lundi là. Ancien sénateur Nel Kassil pral proposition et public li par rapport avec SDP, par rapport avec André Michel, par rapport avec Ariel Henry. Tout ça parce que à terre, c'est pas bataille qu'a fait pour changer la vie peuple, c'est pas bataille qu'a fait pour changer les conditions vie moun, mais plutôt c'est bataille politique nèg yo fait pour garder non seulement dans prochaine élection qui est yo ka mete, qui est yo pral voye ka favorable pou yo, mais pendant transition ça tout pour nèg yo continuer plein poche, plus gain sécurité, c'est plus temps nèg yo a passé soi-disant à la recherche d'une solution. Et solution li pa ka fait sans la police, li pa ka fait sans l'armée d'Haïti. Mais ça qui plus grave là, on pral saisi pour tande à plusieurs reprises l'armée d'Haïti fait commande matériel. Yo fait commande blindé, yo fait commande zame. L'entreprise étrangère là, que l'te entreprise canadienne, que l'te entreprise américaine, soit yo remet cob là ou bien yo prend matériel là, yo voyel ba PNH. Tendez bien oui. Puisque États-Unis t'a décidé li mette embargo sur l'armée d'Haïti. États-Unis te do carrément question l'armée d'Haïti, yo pa konnen depuis après, yo fin craser l'armée sous Aristide, yo pa konnen Haïti gen l'armée. Alors que constitution pays nous, yo di nous, nous gen l'armée d'Haïti, nous gen la police nationale d'Haïti. Donc ouais, toute décision qu'a prend, c'est bonne volonté, c'est bon vouloir États-Unis d'Amérique. Et ça qui est plus grave je dis hein, nous tande te gen 12 millions de dollars matériel. Yo t'a pral commander pour PNH. En dedans structure PNH, c'est différents experts yo, moun ki gen information, moun ki gen expertise nan choix matériel et militaire yo, choix matériel tactique yo, etc. C'est eux même qui décide qui modèle blindé, qui modèle zam, qui modèle équipement, qui modèle munition que yo a besoin pour policier yo. Est-ce qu'on bon moutro et yon photo parce que ambassadeur pays Canada Sébastien Carrière le nouveliste interrogé et dans échange journaliste hier avec ambassadeur li démenti formellement toute information qui a circulé comme quoi autorité ou ta fait connait que et Canada exige au plus documents, Canada mandé au plus données etc. pour yo ta fourni, pour yo livrer matériel yo, équipement yo pour la police. Non même et parler ça que t'ai gagné avec ambassadeur canadien. Li fait connait que problème Haïti gen là, problème insécurité nous gen là. Acheter zam pour la police, acheter blindé bay la police, c'est pas ça qui va résoudre l'insécurité nous gen là. Insécurité nous gen là, li dépasser largement de ce matériel, li dépasser soutien technique pour la police. Là, est-ce que n'a bal tort ou bien est-ce que n'a bal raison? Est-ce que n'a bal tort à 100%? Est-ce que n'a bal raison à 100%? Bon, dis nous, nous pas de hypocrite. Si acteur politique yo, yon bo yo fè konnen ke, pou yo rezoud problème de sécurité ya, fòk gwo dialogue politique, fòk gwo akòr ki pou jwenn. Jodi an, pou business fonk, pou secteur privé a fonctionner, pa gwo akòr politique ki jwenn.
Pour ne pas avoir de gaz bon là, oui, à $300, alors que gaz a sorti chaque jour dans le terminal, va, oui, le capable, j'ai le capable là, pour alimenter Pompio, gaz a vendu $300 sur le marché noir. Pas bon accord politique qui joue pour ça. L'hôpital lui a fonctionné malement. L'hôpital général crasé. Est-ce que son accord politique? Jodian là, il a kidnappé moun, bandi a kidnappé, bandi a touye, bandi a violé. Est-ce que son accord politique? Très certainement. Parce que si nèg yo décide son accord politique qui pourrait résoudre ces problèmes de sécurité nous gen là, c'est parce que indirectement ou directement, nèg yo admet que c'est eux même qui mettent insécurité dans vivre jodi en Haïti. C'est eux même qui a financé insécurité dans vivre jodi en là en Haïti. C'est eux même qui a alimenté insécurité dans vivre là jodi en Haïti. Parce que leurs âmes n'ont rentré sous non la police. Et puis Zamna arrive à joindre Izo dans le village. Là, il joue Tilapi dans la grande ravine. Là, il joue l'autre bandit tout partout, dans quatre coins pays. Est-ce que ce sont encore politiques qui jouent? Sous Matéli, nous ne pouvons pas oublier la moto, achetons un paquet de ZAM. Un paquet de ZAM automatique. L'inventé a fait en deux de palais national, il y a près de 56 manches longues qui disparaissent. Et là, la police t'a mené opération. Là, t'as un affrontement qui t'a fait avec bandit tombé, la police saisit les armes. Non, même les armes, ça y est, la mode t'a acheté, c'est premier ministre Laurent Lamothe. Non, même les armes, ça y est, t'as fait inventaire, t'as manqué 56. Et c'est unité USGPN qui t'a pris les armes pour service. Côté y'a fait, non, mais bandit y allait. Et pour rappel, ancien premier ministre Laurent Lamothe, c'est premier officiel dans le pouvoir même. Gros scandale t'a fait parce que. Li te rentré avec cargaison zam en Haïti. Et cargaison zam sa yo, sous prétexte destination, c'était pour PNH. Et puis cargaison zam sa yo, t'as pas arrivé dans mes bandits. Et ancien député Arnel Belizer, li t'a mené en bataille. Il t'a mené en bataille contre nèg sa yo, dénonciation t'a fait, et attaque t'a fait pas si, attaque t'a fait pas là. Et jusqu'à présent, archive yo là, information yo là, tout donné yo là. Montez sur internet, cherchez et tapez cargaison zam qui implique ancien premier ministre Laurent Lamothe. Donc, je vais tout donner toute information. Zam qui a acheté sous la police qui va jouer un bandit après. Le pays Canada, pas de problème, l'État haïtien contracté et avec une entreprise canadienne pour fournir zam pour la police nationale d'Haïti. Comment ça doit faut comprendre très clairement? Canada lui-même, ça a pour avec le ministère des Affaires étrangères, ça a pour avec le secteur commercial. Lui-même, il n'a pas aucune donnée et sous quantité d'argent, sous modèle. Mais ça lui connaît, c'est que, je dis en la PNH, il n'y a pas commandé ça qui a pour blender avec Tourelle. Je vais montrer le modèle blender avec Tourelle. Là, oui. Il a seulement commandé des blindés, des véhicules blindés de transport de troupes. Véhicule blindé de transport de troupes, c'est ça n'a pas gardé là. Est-ce que nous voyons? C'est bagay très simple, très simpliste. Mais blindé avec tourelle, c'est soit qui a gros longueur, gros, bah on est comment on les voit ça? Nous monde qui a technique militaire, ou a dit moi, gros bagay, gros canon, mais longueur. Ça n'a pas gardé là. C'est lui-même qui blindé avec tourelle. On y a question pour poser tout. Non choix matériel qu'a fait pour PNH, puisque nous connaissons en dedans PNH, il y a une structure technique, un support technique. Non seulement Canada, mais États-Unis assurent que vous contrôlez tout ça qui a fait en dedans PNH. Est-ce que c'est eux-mêmes qui décident de choisir le modèle blindé pour la police? Ou bien c'est influence qui vient par bon côté support technique? Est-ce que c'est l'autorité CSPN? Ou bien c'est support technique là et responsable Canada, responsable États-Unis, puisque nous connaissons, yo mette sanction, yo mette restriction, yo pa, tout ça qui est pour avec matériel militaire, on dirait que Haïti pas de gagner pour pas servir l'armée d'Haïti. Donc là, on est sérieux. On est sérieux. On nous garde qui quantité l'argent nous boule déjà n'a acheté modèle blindé ça yo. Te gen intervention qui t'est fait dans village de Dieu 12 mars. Ou tendez nèg village yo fait trancher blindé prend en trancher yo voye cocktail molotov sous blindé
blende prend du feu, policier mourir dans blende, du feu etc. Tirer dans caoutchouc blende, blende pas ka rouler, bandit et kembe blende. Jodi an la, est-ce que pas une nécessité pour ta gagner modèle blende ça, blende avec tourelle ça? Est-ce qu'on comprend? Comme si ou senti PNH quelquefois ou montre une bonne volonté. Mais des bonnes volontés ou montre gagner, ou senti c'est l'argent nèg a prend jeter dans fenêtre. L'argent est après à gaspiller. Alors que problème de sécurité publique nous gagne là, problème de sécurité qui a plongé nous là dans le pays, il faut que PNH change bon équipement, il faut que PNH change bon matériel. Et le Canada d'où, il prend des dispositions pour gérer, pour regarder, et est-ce que toute information PNH en bas, est-ce que l'information ça est adéquate, est-ce que l'information ça correspond effectivement avec ordre d'achat. Canada est pour protéger le secteur et commercial lui. Pas aucun pays qui a été quitté ou entré qui va venir acheter des armes avec le ministre pour ne pas enquêter. Mais pour nous, le fait que vous attendez, ça prend entre 30 à 60 jours. Ou pour comprendre que c'est tellement autorité nous doit être trop long. Chaudi a monté sur la police, elle descend, c'est bandit qui a mangé, mangé. Et à plusieurs reprises, vous avez regardé l'ambassade Canada qui a un rapport sur ça. Ou ap gade ambassade américaine gen rapport sur ça et mauvaise expérience qui t'est faite là yo fèl sous Mateli sous administration Mateli an c'est les nèg RGPN yo pran zam al vann bandi dans village de Dieu koun yo pral di m pou voir bandi légal ça est-ce que li pa contribuer nan créer sécurité nou gen là en dedans pays an ou pral di m est-ce que pou voir bandi légal ça est-ce que le pa favoriser plus banditisme plus gang en dedans pays a faut honnête avec nous faut honnête avec nous moi même seul ça me pas vle m pas vle que les États-Unis que les Canada c'est eux même qui pour venir dicter nous pour dicter PNH nous pour dicter autorité nous mais qui ça doit faire mais comment on doit faire etc. Et c'est ça que fait m'a regarder sur internet là et pendant le dernier jour ça yo et information qui a circulé comme quoi États-Unis mandé pour arrêter Iberto Dossé pour arrêter Kitel dans question cargaison zam mais son honte oui le moi mon a prélé ben ça son honte le monde les haïtiens média haïtien pour les informations ça premièrement on travaille au journaliste à vérifier aller à la source pour connaître et nous fait expérience ça dans question et directeur général douane côté que et d'où États-Unis te dit et pour arrêter et Romel Bell parce que Romel Bell impliqué dans trafic d'armes, impliqué dans corruption. Jusqu'à présent, pas un commissaire du gouvernement, pas un ministre de la justice qui enquêté, pas aucun dossier sur ça. Pas aucun dossier. Romel Bell côté lié, côté le parier, pas un monde qui connaît, sauf monde qui pour connaît. Sauf acolyte li yo, sauf kokoday li yo, mouni nan kokon boit avec li yo, ki konnen. Mais la justice pa konn bagay kon sa. Est-ce que vous comprenez là tout? La justice en Haïti, la justice li fonctionne pour malere yo. Pour malere la justice fonctionne. Moun ki vole ti poule lan, moun ki vole kabrit lan, de pou vole bien entendu fè section oui. Baba courage ti vole, non pou me di ti vole pa vole, de pou vole ou vole. Mais nèg sa yo, bandi sa yo. Quoi bandi notre sa yo bandi gen non bandi gen étiquette sa yo suiv pou wè lè ou gen des mêlé avec la justice lè ou gen des mêlé avec la police ou pas presque wè ou pas presque wè et avis de recherche ou pas presque wè mandat d'amener ou pas presque wè interdiction de départ ou pas même temps dans commissaire du gouvernement qui choisit pour le tableau pour mettre action publique en mouvement parce que son réseau mafia son réseau criminel et puis gros réseau criminel qui grande dans pays ya. Faut moi assumer et faut moi dire c'est la justice. C'est la justice là pour traquer. C'est la justice là pour sanctionner. La police là pour traquer bandi. La justice là pour sanctionner bandi. En pile fois, c'est sous l'ordre la justice la police travaille. En pile fois, c'est sous recommandation la police la justice agit. Ou pas ouais cohésion. Ou pas ouais responsabilité qui prend pas bon côté acteur judiciaire, pas bon côté commissaire gouvernement, pas bon côté juge d'instruction. On a pris les affaires. Depuis qu'il y a l'argent qui cabale en battable, ou pas attendre la justice à fonctionner. La justice 4 pour 15 ans, l'équité tribunal, je dis, c'est à terre allié. C'est dans le bureau où on négocie. C'est dans l'hôtel où on négocie. C'est sous bateau où on négocie. Qui s'en donne là? Bon, font une parenthèse avec nous. Ou pas ouais la DCPJ, quand on tof tof dans le dossier et quand ils ont un port de paix. C'est dossier ça qui a fonctionné seulement. C'est sous dossier ça qui a poté bourré.
dossier cargaison zam qui implique l'église épiscopale d'Haïti, li yon ti jan fret. Ou presque pas tande rien encore. Ou presque pas tande aucune disposition qui prend encore. Alors ce dossier ça même avec le dossier douane port de PA, toutes ces zam yon entrent dans pays yon. Toutes ces bandits zam ça yon t'apprend l'alimenter. Donc pour une raison pour une autre, nous même n'a prêté focus sur yon. N'a prêté focus sur yon. Revenons à nos moutons. Maintenant, ambassadeur Canada, ambassadeur canadien, lui fait connaître que s'il y a des dispositions qui doivent prendre pour résoudre problème insécurité, hein, pour résoudre problème grand banditisme, lui doit passer directement par autorité, acteur. Yo. Je dis qui est-ce nous gagnons comme acteur dans le phénomène insécurité dans vivre là. Ou gars qui est Henri plus pas 22 millions de gourdes non mais chaque mois pour le dépenser pour enseignement ou gars qui tel dans ministère intérieur lui même il a responsabilité protéger contrôler intégrité territoire là gérer question souveraineté pays là il pas régler en merde au contraire qui tel à l'aise leur senti mon a dit son présumé kidnapper lui son présumé kidnappeur, son présumé bandit, etc. Li plus à l'aise. Jodi a wap viv nan pays, gang ap terorizo, bandi ap terorizo, ki tel, au ministre de l'Intérieur, il préfère faire promotion pour le doux, premier ministre son homme de Dieu. Premier ministre son envoyé de Dieu. Et bon Dieu choisit le. Et ça yon de raison, m'bra le comprenne. Haïtien jodi a yon kwen nan fos sa. Yon kwen nan maniget ki tel lan. Plus pas de 50 de population, c'est chrétien. C'est protestant. Donc, comme Ariel sont envoyés de Dieu, comme Ariel c'est bon Dieu qui choisit, donc n'a pas suivi, n'a pas tenu la main de mon Dieu. Là, faut moi dire nous honnêtement, papa ici. Est-ce que je dis on reconnaît dans ça n'a vivre là, dans misère n'a vivre là, dans insécurité n'a vivre en dehors d'un pays, dans l'axis qui gagne pas bon côté autorité. Est-ce que nous identifions nous à peuple Israël? Peuple Israël l'a choisi eux-mêmes parce que ils ont été doutés, ils ont fait 40 ans dans le désert. Il a péré, il a monté, il a descendu parce que il était douté de Moïse qui était capable aux possibilités pour traverser pour aller rencontrer la terre promise. Pour aller rencontrer destinée yo. Jodi an là, on nous garder ça na vivre. Est-ce que nous avons Moïse? Si nous avons Moïse, peut-être c'est Jovenel Moïse moun te croire dans li yo. Pour moun qui te croire dans Jovenel Moïse yo. Mais jodi an là, ça na vivre là après assassinat président Jovenel Moïse, c'est pour ouais. Réalité a changé. Paramètres yo différents. Ça n'a vivre en Haïti en Alpire. Affrontement qui vient la démonstration que sont fait là hier dans qui est Port-au-Prince. C'est du jamais vu. Enfants soldats campés face à face, il a pété balle, il a fait la guerre. Oh. Là nous arrivons loin. Nous arrivons trop loin. C'est poser toutes questions pour qu'on ait qui ça nous doit faire, comment nous doit réagir. Et même tout ça, Quand nous arrivons là, nous avons un paquet de pasteurs, un paquet de prêtres, un paquet de serviteurs de Dieu, hommes de Dieu qui gagnent l'église, etc. Qui gagnent la communauté qui a réuni le matin, midi, soir pour prier. C'est qui message aujourd'hui, ils ont prêché dans la communauté, nous, dans l'église, nous. Majorité pasteurs, majorité évangélistes, ils ont continué à prêcher mon message résignation. Résignation, dit tout à Jésus. Ou pas qu'à manger, dit tout à Jésus. Ou pas qu'à travailler, dit tout à Jésus. Y a petit roi, dit tout à Jésus. Y a kidnappé, dit tout à Jésus. Mais gros passage dans la Bible, si je ne me trompe pas, qui dit vous êtes, vous faites partie du monde. Nous, dans le monde là, mais vous n'êtes pas de ce monde. Faut que nous comprenions. Nous vivons dans le monde là, nous sommes mon avant tout. Faut que nous mangeons, faut que nous habillions, faut que nous socialisions. Nous. Mais leur dit vous n'êtes pas de ce monde. C'est par rapport avec foi chrétienne, c'est par rapport avec dans sa yo kwè, dans sa yo attaché, dans sa prié. Vous n'êtes pas de ce monde. Mais on nous garde, si nous faisons partie de monde là, nous c'est monde. Jodi a inflation, il pas toucher tout le monde, c'est pas tout le monde qui pas manger, c'est pas nous tout qui va chercher pain 125 gouttes. C'est pas nous tout bandi a kidnappé, c'est pas nous tout jodi qui a vive terreur ça. Ce n'est pas nous tous les jours qui avons souffert parce qu'il y a kidnappé, nous y a violé nous 500 000, 200 000, 300 000 dollars américains. Quand nous jouons, nous pas gagné pour nous payer. Donc, si nous sommes haïtiens, si nous vivons dans la société, nous vivons dans le monde, il faut que nous commandions les gens qui placent comme autorité. Il faut que nous commandions les comptes.
c'est pas rayin rayin yo, mais si yo pas prend responsabilité yo, si yo pas fait travail yo pour yo faire, nous obligé rele chalbaré derrière, bat chalbaré derrière yo, que moun ki capable vinn prend mahet lan, vinn ba nou résultat. Nous pas ka contenter nous accumuler problème. Problème jodi, problème demain, problème après demain, etc. N'a cumulé problème sans solution. Qui est-ce qui va apporter solution? Donc, jodi en là, là n'a regardé Ariel qui pas cœur. Ou regardé qui tel ministre de l'Intérieur, on dirait qu'elle pas même connaît poste de responsabilité là qui ça lié impliqué pour lui. N'a vivre, nous pas vivre, nous pas vivre. Ou regardé qui objectif ISO fixé là. Casser pas et casser river à l'en palais, casser pénitencier national. Prend pénitencier d'assaut, fin prend et fin prend palais justice, oui, parquet Port-au-Prince. Objectif là, tête droite palais national, tête droite pénitencier national. Qui objectif là mort 100 jours fixé l'en plein nan. Casser prison civile quoi des bouquets. Plus délinquants pour libérer, plus délinquants pour dans la rue, etc. Est-ce que nous gain rien pour nous supporter bagaille ça yo? Et pourquoi on est tout bagaille ça? Nous sommes pas son paquet de temps avec madame Limbinu. Pas les résultats qui baillent. Yo échoué dans objectif yo même yo te fixé tête yo. Aider pour démocratie en étant ni davantage. Aider pour joindre en tête politique pour faciliter un dialogue inter-haïtien. Yo échoué. Au contraire, sous Minu ou madame Limna yo assassiné président Jovenel Moïse. Mais ça pas empêché que Conseil de sécurité des Nations Unies yo renouvelé mandat Binu. Madame Alim sti là. Madame Alim yo té là 32, kounya yo là 40. Yo ajouté sou yo effectif là augmenté. Pour venir faire qui ça? Pour venir résoudre qui problème? Alors que jodi yo son parti dans problème là. C'est pas un problème là. Moi même toujours dis nous ça. C'est pas communauté internationale là, c'est pas corps groupe, c'est pas Binu problème là. Parce que je dis, si vous regardez ce qu'a fait au Mali, ou après Assimi Goïta, li choisi, li te bay président en coup d'état. Li prend tête l'armée, il prend tête paysan, li mette pantalon dans taille. Li mette kason dans taille pour le diriger. Li prêt pour le contre-attaquer. Li prêt pour l'attaquer qui est lié. Li prêt pour l'attaquer n'importe où il est. Pour le défendre intégrité territoriale. Qui ça le fait? A pas li mette minusma. Li pa mette yo dehors. Li mette français dehors. Li déclaré et diplomate français persona non grata. Parce que l'on se chef ou bon poste de responsabilité, faut pas peur prendre des décisions. Et m'a dou ça. Et m'a prendre ça. De pour nos opposition, toujours mettre ça dans tête tout. Ou pas besoin de satisfaire tout le monde. Li te mette son président. Ou pas jamais ka satisfait tout le monde. A toujours gagné des antagonistes. A toujours gagné des monde qui ont différemment. Travail ma faire c'est pas tout le monde qui remet. Le monde n'a pas perdu comme ça. C'est Jovenel Issouye. C'est papa Jovenel te assassiné moun, etc. Ou pas qu'on idéologie politique moi. Ou pas qu'on est ce que mon camp politique ou pas. Ou seulement choisi ou baïté tout liberté pour canaliser moi. Ou bien t'es tout liberté pour dire dans tel camp ou bien dans tel autre camp. Non. Travail à faire, il pas qu'à satisfaire tout le monde. Mais toujours battre pour satisfaire la majorité. Hein. Toujours battre pour apprécier de la majorité. Donc c'est ça lié. Ariel n'a tête primature. Ariel pas qu'à satisfaire même au minimum. Qui tel dans le ministère de l'Intérieur, il pas qu'à apporter solution avec minimum. Il n'y a pas de place. Yo. Yo pas de place yo, c'est pas non logique nous rentrer pour n'a pour chaque dirigeant nous gagne, chaque groupe autorité nous gagne pour n'a prendre Charles Barry derrière, pour n'a battre Charles Barry derrière. Mais quand il s'agit que mon nan poste de responsabilité le gagne, poste de décision le gagne, pas ka satisfait intérêt même au minimum place si pas là. Place si pas là et encore pire, ou gros paquet autorité qui impliqué dans assassinat. Qui implique dans le complot pour tout le président, qui implique dans le cadre de Jacques Soufom, qui implique dans le kidnapping, qui implique dans le trafic stupéfiant, trafic de drogue, yo style là, yo style chef, yo style gen sirène, yo style à bouler l'argent peuple. Bon, qui soit me dit? Qui soit me dit? Et ma pour mon dernier parenthèse, parce que je vais faire autant de ancien premier ministre Pierre-Michel Lapin, qui lui-même
a raconté un ensemble de bagailles l'un des premiers ministres qui t'a passé en dedans primature. Est-ce qu'on connaît sous Michel Lapin ces 450 policiers qui t'ont gagné en dedans primature pour gérer et sécurité primature, gérer sécurité premier ministre, la caille premier ministre, madame petite, etc. Et dans le palais national, il y a plus de 600 policiers qui affectés avec le palais national, affectés à président. Imagine, 600 policiers et puis ils ont assassiné un journal comme ça. C'est pour comprendre que c'est pas une question de sécurité, c'est une question de loyauté avant tout. C'est une question de volonté avant tout. Est-ce que nous avons une volonté? Est-ce que nous avons loyal envers le peuple haïtien? Est-ce que nous avons loyal avec ça yo gagné comme souci pour protéger l'intégrité territoire là, avec ça yo gagné comme volonté pour protéger la souveraineté pays là? Me doute fortement. Moi-même m'a regardé ça qui a passé là comme insécurité. Ça nous gagne là comme violence qui a fait dans la République. Des monde qui pas content et m'pas mando pour content. Des monde qui pral fâché, m'pas cœur sou fâché non plus. Est-ce que dans moment n'a vive sécurité, kidnapping tout côté. Est-ce que c'est moment pour nèg faire promotion pour son fesse? Est-ce que c'est moment pour garder artiste à gauche à droite qui invite population pour aller prendre plaisir dans son fesse? Ou ka fâché? M'pa mando content, m'pa mando fâché. Mais vérité en faut moi dire. Parce que ça n'a vive là. Joué sous Jovenel Moïse gon paquet artiste qui t'est campé. Pour yo dou, yo pral faire manifestation pour yo dénoncer Jovenel. Niveau la vie en chè. Insécurité en trop dans des gwenyo. Yo besoin travail, yo besoin ceci, c'est Jovenel qui t'a fait ceci, c'est Jovenel qui t'a fait cela. Jodi on pa quoi même artiste ça yo. Campé a fait promotion pour programme. A fait promotion pour inviter population à passer dans zone canaran pour yo kidnapper yo, à moins que yo gèt en négocier avec kidnapper yo, yo négocier avec bandi canaran parce que moi m'pa konnen. Parce que ça la vivre dans dans pays là comme insécurité, m'pa kwè c'est moment pour aucun nèg a vinn camper dans figi moun pour faire promotion pour programme pour inviter petit peuple pour aller prendre plaisir. Et c'est là pour comprendre les nèg haïtiens dou, les nèg yo dou côté plaisir et c'est là yo hein. C'est parce que plaisir en Haïti c'est synonyme corruption, c'est synonyme blanchi l'argent. C'est exactement ça lié. Oui, faut que peuple en prend plaisir, mais est-ce que condition réunie? Est-ce que condition réunie? S'il réunit, il prend plaisir. Mais après ça pas venir dedans de m'a venir plein dans radio Caraïbes, yo kidnapper nous t'a souhaité dans son fest, yo séparer nous, bon dit prendre nous etc. En tout cas, on nous continue émission. N'a pas quitté avec ancien premier ministre Papin et qui lui-même li pral parler nous quelques bagailles qui essentiel, quelques points qui essentiel. Bien avant on reprend petit pause moringa, n'a retourner après. Gebon c'est une formulation qui fait à partir de 13 plantes médicinales qui gain pour nourrir corps, réparer cellules, augmenter énergie physique et mentale, compenser carence en nutriments, liquéfier sang pour permettre une meilleure circulation dans organisme. Bi principal li se produit hormone testostérone qui pral augmenter libido et qui pral augmenter désir sexuel. Genzouti c'est une crème qui formulé à partir de produits naturels. Objectif lui c'est augmenter élasticité dans tissu spongé pénis là qui c'est peau pénis là et en même temps li gain pour nettoyer corps caverné pénis là qui c'est veine pénis là. C'est tout des actions ça yo qui pral permettre les pénis là en érection, li pral ka recevoir plus sang et puis li pral détirer dans longueur ak nan largeur. Moi tourner après petit pause mon regard. Et faut que moi dis nous ka remarquer nous même tout. Grand pile fort m'a fait là pour me parler, m'a transpiré parce que fièvre là sous moi, m'a boulé gorge pas bon gorge avle bouche net. M'te commencé faut que moi fini, faut que travail là continuer et pour me former nous. Et m'bral faire nous tendre ancien premier ministre Pierre Michel Lapin. Faut que nous tendre, faut que nous chita pour nous tendre. Pas dim que nèg ça pas régler rien. Pas dim que nèg ça c'est même con puis au même voler. Nous connaissons la réalité déjà. Mais li important pour nous entendre parce que nèg sa yo sa yo parent yo kote en pile fois yo fait des révélations. Sa yo parent yo kote en pile fois yo mette nous sous des pistes qui pral permettre nous découvrir vraie corruption côté le chita. Qui est-ce qui a fait promotion pour corruption? Qui est-ce qui a encouragé corruption? Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Et ou même qui gen aspiration pour entrer dans politique, pour faire politique en Haïti, faut que vous entendez moun sa yo. Que moun nan te bon, que le pas de bon, faut qu'ou tendel. Tendel pour apprendre de erreur li, pour même pour pas reproduire même bêtise yo, même erreur. Jodi an la,
et quand l'autre femme invite nous m'a invité nous pour nous aller et sur Facebook taper oui c'est ça Haïti TV n'a découvert un autre Yannick qui transversal un autre Yannick qui pi agressive un autre Yannick qui a fait un travail et qui a fait un travail qui énormément risqué qui très risqué même faire c'est un souci pour me continuer travail là et je dis là un texte que m'écrit en collaboration avec et caméraman moi qui toujours avec moi nous écrit texte ça son texte qui très dénonciateur li là pour dénoncer un baguette bagaille et son texte tout qui très révélateur donc n'a gagne opportunité pour nous découvrir texte ça parce que n'a gagne possibilité pour nous découvrir l'autre Yannick qui très agressive, qui transversal et par rapport avec même bataille là qui a continué pour pays hein, même révélation qui a continué faite sous action bandi ou sous exaction nèg sa loi fait dans la République qui méritait non seulement pour nous dénoncer yo, mais pour nous mettre projecteur sur yo pour même pour comprendre en pile fois nèg sa qui dans quartier la caillou qui relait tête li et agent de développement, nèg ka fè social, etc. Yo pa jam gang, yo toujours, c'est agent de développement, yo toujours entrepreneur, etc. Pour comprendre que c'est pas vrai du tout, c'est un pot nèg yo mette sou yo, mais qui pas vraiment appuyer société à rien de sérieux. M'pa dire pour me quitter avec Jean-Michel Lapin, ancien premier ministre. Pas dire que ancien premier ministre son voleur, son délinquant, son comble, pas tendre, faut tendre yo. Ou gen intérêt pour tande yo parce que nèg sa yo sa yo pa rendre compte yo konn faire en pile révélation sa yo pa rendre compte yo konn mettre sous des pistes qui pral servir de leçon pi devant ou même qui fait choix pour entrer dans bataille politique ou même qui fait choix pour faire politique en Haïti pour konnen erreur nèg sa yo te fait pour ou même pour pas reproduire erreur sa yo donc c'est extrêmement important m'a invité nous toujours été connecté avec TAC 609 non seulement ça tout toujours songer au même qui pourquoi abonner avec page gens qui a regardé vidéo toujours abonner songer activer petite cloche notification yo il y a bon pour vous pour apprendre de ça qui a passé en dedans pays exhortation yo bon concertisation yo bon parce que nous c'est haïtiens avant tout faut nous bataille pour nous toujours kembe pays nous en avant et au même qui connait voyer petit message d'encouragement qui voyait prière yo gens prière moi tout qui voyait prière yo donc ça fait mon pile plaisir continuer que même dans la prière nous et pendant moment ça besoin en pile parce que maladie hein li la maladie on pas venir pour rester c'est passé à passer donc on nous rester connecté m'a quitté avec Jean-Michel Lapin pour nous tendre qui ça gain pour nous dire non pour nous tendre message qui vient délivrer et pas parole l'évangile. Ce n'est pas parole de l'évangile lié, mais nous attendons pour nous apprendre, nous attendons pour nous comprendre. Et bonjour, nous saluons tout le panel là, et puis nous disons bonjour tout à tout auditoire là. Nous sommes contents, nous allons poser pendant quelques minutes des questions en direct. Est-ce qu'il faut un accord politique pour le gouvernement occuper avec efficacité de questions de sécurité pays? Bon, est-ce que nous allons poser des questions à l'audience? Allez-y. Sinon, nous avons un accord politique pour nous occuper de sécurité. Donc, nous demandons un accord politique pour l'université à continuer à fonctionner. Nous demandons un accord politique pour l'hôpital à continuer à fonctionner. Nous demandons un accord politique pour le marché public à continuer à fonctionner. Nous demandons un accord politique pour la zone économique de l'État, la zone d'exploitation économique de l'État, qui s'est bicentenaire particulièrement, pour être capable de continuer à fonctionner. Non, ma brûle dit encore, sécurité doit être un bagage permanent à travers structure de sécurité de l'État que nous avons besoin hier, que nous avons besoin aujourd'hui, que nous avons besoin demain, que nous avons besoin après demain. Donc, la police doit, l'armée, la police, le gouvernement doit mettre dans la situation, puis être capable de répondre à la responsabilité qui est sécurité publique qui détermine dans le fonctionnement quotidien et pays. Donc, et ça c'est pour me faire une question. Si au niveau orientation, si au niveau discours qui doit être fait pour assurer la population de qui ça la police a fait, demander et leadership au niveau de CSBM et faut gagner coupon qui a une responsabilité, doit eux-mêmes réunir pour proposer et nation une
un plan de sécurité publique. Un plan de sécurité publique, côté que c'est la police avec l'armée qui c'est élément déterminant dans le plan de sécurité publique là, mais on, avec un plan d'apaisement social, tout, qui, pour qu'il baisse la pression sociale là sur la police. M'a répété, un plan d'apaisement social pour qu'il baisse la pression sociale là pour la police. Ça veut dire qui ça? Est-ce que je dis à la professeur qui n'a pas touché, médecin qui n'a pas touché, prend la rue, à bloquer la rue, fait des ordres, ça, est-ce que la police doit intervenir brutalement pour l'imposer au faire ça? Non. M'a quoi la police est capable de faire ça? Parce que, mon sérieux, l'État a une responsabilité envers eux. S'il pas répondre envers eux, c'est normalement pour mon sérieux prendre la rue. Ils sont capables de réclamer ça à l'État d'où légalement. Donc, c'est ça, en gros, un relais, baisser la pression sociale là sur la police. Ok. Là, que... là c'est des éléments de réponse où comment c'est porté, ça n'a fait, ça ne doit faire. Maintenant, bon point là, qui d'actualité, c'est l'acquisition d'équipements, notamment blindés et hommes, pour permettre de renforcer la capacité opérationnelle de la PNH. Là, des annonces qui faites, même si ce n'est pas officiel, que y a des équipements qui pour entrer. Là, on nous apprend et via l'ambassadeur de Canada, du Canada à Port-au-Prince que permis nous pour rejoindre le processus là à l'étude. Et il y a des gens qui posaient une grande question. Est-ce que nous avons eu ou est-ce que nous avons aujourd'hui perdu cette capacité de monter, de porter des dossiers de ce genre pour que nous mener au côté pour nous mener et jouer une livraison à temps de ces équipements. Qui sont capables de partager avec nous comme expérience qui était gagnée l'heure ou même où tu as fait et exercer ça de commander des équipements pour la police nationale d'Haïti. Bon, renforcer d'abord, on peut mettre dit que renforcer capacité opérationnelle de la police autour de qui objectif et avec qui équipe. Hein, ça a demandé une équipe au niveau de la police et effectivement qui a un métier professionnaliste. Bon, c'est que la police lui-même, c'est lui-même qui a bien pour venir dire, mais qui objectif les besoins et atteindre, mais qui plan de sécurité, plan d'intervention qu'elle gagne. Donc ça, c'est travail monsieur spécialiste dans les affaires sécurité. En ce qui a trait à commande équipement, bon, nous t'es tracé son chemin et qui. Et d'abord, t'es demandé, et bien avant que nous t'es rentré dans le processus de commande là, qui demandons si t'attendais avec la communauté internationale là, et que nous t'es fait, et qui t'es abouti, et effectivement, et avec rentrer une série d'équipements et matériels pour la police. Donc, si je dis, et comme toujours concernant l'État, malheureusement, continuité de l'État et pas respecté. Est-ce que y a des monde qui viennent qui toujours voulaient essayer pour orienter acquisition équipement et pour la police ou bien pour l'État en général? Donc c'est dans ça nous malheureusement et qui peut être capable de obligé de recommencer à zéro. Moi c'est ça me pense pour te faire acquisition équipement ça. Donc nous tendez et ambassadeur canadien qui parlait sous question et bon moi pense li la défendre le processus administratif dans pays li c'est un bagage permanent la Kaili quel que soit équipe qui vient au pouvoir Canada toujours et respecter son bagage qui m'a dit on chita attendre au préalable est-ce qu'il fait est-ce qu'il va faire mais ma mesure pour me dire ça là mais m'a dit que t'es un chemin qui était déjà tracé et qui était clair et transparent et malheureusement j'ai l'impression yo pas suivre et même chemin ça. Maintenant nous t'ai appris que tu as des difficultés tout notamment tu as des commandes qui faites pour l'armée yo pas des bail l'armée yo c'est la police qui te bail là on a parlé de armes c'est ça des sources t'es apprendre moi parce que
Yo te blacklist, yo toujours blacklist l'armée d'Haïti. Dans certains cas, tu as même des commandes qui fait et des rebousseements et qui fait. Quelle est la situation globale d'Haïti en termes d'acquisition d'armes et d'équipements et l'étau vis-à-vis de, premièrement, expérience coup d'état contre Haïti de 1991, de mauvais listes, yo mettez-nous par rapport à gens nous gérer stock, notamment expérience qui était faite et le président Martelly Fin qui était pouvoir là, sous président privé, on a fait l'inventaire et constaté que gagné plus de 56 et fusil d'assaut qui te manqué dans l'inventaire là et l'inventaire du palais national, s'il vous plaît. Est-ce que nous avons passif, pour le ministre Lapin? Oui, je pense que les préoccupations dans la discussion que moi avec eux, je en poste sur la question d'acquisition et équipement pour la police. Donc, il y a des préoccupations dans le niveau ça. C'est dans la gestion et équipement. C'est peut-être ça que nous-mêmes, il y a 4 points que nous te mettons d'accord avec international là, les nous avons fait et acquisition, hein. C'est d'abord pour nous identifier qui côté ils ont acheté et qui gens et qui côté et qui leur est arrivé et il était exigé pour y être présent dans la réception et dans la gestion, hein. Comme c'est pas un bagage qui nouveau que tout le monde connaît, il y a une assistance technique internationale dans la police nationale d'Haïti. Donc, il a été demandé pour gagner une présence dans la gestion et distribution et matériel. Donc, c'est une préoccupation, effectivement, que l'équipement est rentré. Donc, généralement, il n'y a pas à 100% au service de la police. Donc, il faut que nous portions une correction à ça, parce que l'affaire ZAM, c'est pas l'affaire chouette. Et nous avons des conséquences que ça a gagné, je dis, là, sur le fonctionnement de la société. Maintenant, passif, ça, faut nous assumer, faut chef Yovinio, 10 difficultés, ça, tout, pour que, et nous connaissons, pour nous sérieux à l'avenir, parce que, faut que nous ayons équipement, ça. Maintenant, deux derniers points avant nous remercier, je dis, là, gagné des démonstrations terribles qu'a fait. Hier, nous, était gagné au début d'agitation, pour être très très circonspect dans ce que je dis, et au niveau de la prison civile de Port-au-Prince, et pendant balle à tirer, il y a monde qui prend balle dans rue du centre et monde prend balle en pile côté en bas la ville là, et il y a des monde qui a dit, et clairement il y a des sites qui pratiquement là t'a doué rouge avec des dispositions pour renforcer et sécurité, notamment et prison civile Port-au-Prince et prison civile Croix-des-Bouquets. Et ou partager à ces ça ou pas, M. Lapin? Mais oui, c'est de ça qu'il a parlé, là, Robinson. C'est le fait que nous n'avons pas besoin d'accord politique pour nous répondre à l'urgence qui est aujourd'hui pour rétablir la sécurité publique. Donc, si on a un problème de leadership, comme malheureusement nous avons fait une première expérience dans l'histoire, nous, c'est on exécutif en seule tête, ça ou les monocéphales là. Si après 12 mois, ça pas pour tes résultats et que nous t'es escompté. Donc, si jeudi, ça m'a demandé un accord pour nous capables pour nous tourner à l'ancien mode, c'est-à-dire ou exécutif à des têtes pour qu'il baille un leadership, une orientation pour créer une dynamique en de la police nationale d'Haïti ou bien de l'armée d'Haïti pour nous capables de récamper dans l'autorité sans que yo pas rentré dans la violation du monde. Donc, qu'est-ce que ça fait? Nous il y a une nécessité pour nous. Qui te mettait en boucle? Nous encore pour nous capables pour nous tourner à l'ancien mode, c'est-à-dire au exécutif à des têtes pour qu'il y ait un leadership, une orientation pour créer une dynamique en de la police nationale d'Haïti ou bien de l'armée d'Haïti pour nous capables de récamper dans l'autorité sans que yo pas rentrer dans la violation du monde. Donc, qu'est-ce que ça fait? Nous prenons il y a une nécessité pour nous. Qui te mettait en boucle, Philippe, pensez-vous, tu as fin élaboré, sous nous pas besoin d'accord politique pour nous assumer responsabilité, nous, ou a fini pour nous, et puis dernière question, hein, c'est,
nan renforcé capacité opérationnelle de nos unités, de nos institutions, qui est fondamental, qui c'est renseignement. Avec où nous pouvons regarder, par exemple, ou même qui quantité l'argent, par exemple, de Konbaï, Primatia pour renseignement, et comment et on peut être efficient, efficace et à travers et renseignement, et si tant c'est un objectif et recherché. Et fini, pensez-vous, et puis dernière question, ça, c'est avec lui, on peut refermer l'interview. Oui, pour nous finir, passer, on a continué pour nous dire que sécuriser prison, tout comme sécuriser tribunal nous yo et ça ne déclare les toutes institutions républicaines yo, donc c'est son bagage quotidien qui est lié, c'est responsabilité encore et structure de sécurité de l'État qui est à travers l'armée, qui est à travers la police. Donc je dis faut que nous d'accord que nous besoin renforcer la police nationale. Là. Renforcement, il n'est pas doué seulement dans les affaires matérielles et équipements. Il besoin de renforcement administratif pour la police. Donc, il faut que nous soyons capables peut-être de tenir compte des situations policières autour. Et ça doit rentrer dans, même ça me dit tout à l'heure, c'est baisser la pression sociale là sous et structure de sécurité. Ça. Donc, policiers lui-même qui va l'engager dans une bataille, dans un plan de sécurité publique, là, il y a des risques qu'il va le courir en échange. En échange, qu'il sorti vivant, qu'il sorti mourir, qui ça doit être. Et ça a demandé un leadership administratif, ça a demandé un leadership technique, qui a demandé autorité pour créer, pour continuer à faire, pendant qu'il était en poste, il a fait avec M. Gédéon. Donc, pour yo continuer faire en façon pour yo capable mobiliser et policiers autour des objectifs ça qui c'est rétablir la sécurité publique. Donc on a les pour renseignement ben pour renseignement t'as posé non pas pour renseignement, qui est renseignement comme dernier point et pour aborder monsieur Lapin. Il y a des auditeurs qui vous ont des questions tout pour monsieur Lapin, poser monsieur Lapin. Mais en même temps tout monsieur Lapin, ou t'es premier ministre, ou t'es chef CSPN. À l'époque, PIA t'a fait face à une situation de sécurité grave. Justement, c'est des questions auditeurs posées. On est capable de dire, bon, oui, là, nous, c'est nous qui invitons pour venir parler, mais partagez l'expérience dans le niveau ça. Qui soit ou t'es arrivé fait pour te diminuer et influence gang yo et baisser pression et sécurité dans le pays? L'homme venu en poste comme premier ministre, et moi, pour baisser l'influence gang, moi, t'es joint que l'État, les structures gouvernementales avant non, qui m'a des ministres là-dedans, même maintenant l'affaire sécurité à l'époque, t'es créé CNDDA. Et c'est qui pas de grand temps et campé. Le premier travail m'a fait, c'était mettre l'institution ça campé. Ça veut dire pour le joindre un côté, un bureau, puis au chita, en équipe, puis à réfléchir, puis te présenter et l'État pays a un plan d'intervention en dans zone de non-droit. Le peu de matériel qui ont été besoin, particulièrement matériel et roulant, aider autour monter et organiser administrativement. Donc c'est un travail ça que moi-même j'ai gagné à faire avec structure ça et moi j'ai obligé parce que c'est la loi qui est créée, j'ai été missionné et moi en tant que premier ministre moi j'ai obligé chita des structures ça pour qu'ils te permettent et faire travail. Donc moi-même moi pas directement impliqué dans les affaires ça. Malheureusement, l'aime quitté les véritablement opérationnel, moi pas te gain responsabilité ça, donc pas gain chance pour me apprécier premier rapport que yo te soumettre non et pour affaire ça. Donc c'était premier travail qui me fait. Mais deuxième travail qui me fait, c'est peut-être bon mon petit Jean mal pour c'est moi qui parler de ça. Et je pense que dans la police, il y a des autorités qui l'ont toujours. Et il n'y a pas là. Peut-être c'est eux-mêmes qui t'a supposé venir parler de ça. C'est travail pour mal remobiliser la police là autour de leur objectif qui c'était la sécurité publique. Donc, il y a des gars pile séance de travail avec le directeur de la police là qui était honnête, qui était très ouvert avec toutes. Et conseil que nous avons fait, côté que nous avons travaillé sur une prise en charge administrative de la police. Et je dis à moi, je pense que la police a besoin de ça. La police a besoin d'un leadership administratif
pour qu'il capable recadrer fonctionnement de la police là, pour qu'il permette que les policiers eux-mêmes effectivement se sentent en confiance que pendant yo vivant que les là tous les tombés sur le champ de bataille et préoccupation familiale pour les par un casse-tête Jean Lié et jodi a. Donc moi même ce travail ça me commencer fait parce que même si que ou a mettre la police de dans l'arrière sou pas résoudre problème ça à la base n'a toujours des problèmes. Est-ce que nous connaissons que ces derniers temps et même avant il y a des policiers transférés dans province qui pas aller. C'est pas vrai, pas vrai aller. C'est parce qu'il pas bon côté pour lui dormir. C'est parce que il pas bon moyen que au bali pour la louer au chambre caille. Côté qu'il allait, donc tout débat est ça, c'est des bagages pour qui résoudre. Pardonnez PM Lapin et Jean-Daniel Sénat, et puis quelques questions de nos auditeurs. On relance. Est-ce que tout est une réaffectation de policiers qui t'a assuré sécurité primature pendant t'es là? Réaffectation, oui, et sans que nous pas rentrer dans le privilège qui nous gagne, parce que nous t'es créé. Il y a une brigade avec le directeur de la police là. Nous avons essayé que nous gagnions un programme de sécurité publique. Côté que nous avons gagné, ça nous a été une patrouille, une toile d'araignée. Que peut-être la population était sur l'axe Delma, qui était sur l'axe aéroport, qui était sur l'axe canapé vert, boudon, etc. Et la lutte. Donc, la CADSA. Et monsieur était besoin et mon et équipement le débat équipement pour ça et l'arrivé sous mon yo les comme primature a gagné 450 à l'époque ma bonne gouverne jodi a agent qui affecté à sécurité et premier ministre Jean Aurélien là étant donné que Jean-Michel Lapin lui-même t'a gagné un mode de fonctionnement comme premier ministre AI et premier ministre démissionnaire. Donc, il n'y a pas besoin de tout le monde pour qu'il fasse cortège le matin, il a retourné la Kaili, etc. Et même la Kaili. Donc, effectivement, il mettait à la disposition de la direction générale de la police 70 agents dans 450. Je crois que ça a capable de déranger. Puis, il a fait partie de patrouille mobile ça qui a gagné pour travailler dans la nuit ou la journée. Pour te assurer présence la police sous dans ville là. Maintenant question ça Jean-Daniel posé là, est-ce que faut pas poser le tout pour GPN parce que pas un président ou pas que monde bon et plus passer 600 agents et monsieur bon faut on pose question. Maintenant question auditeur yo et gain un auditeur bon et qui très remonté qui dit que pendant où tu es premier ministre est-ce que tu as une sécurité est-ce que CSP dans tes responsabilités les mêmes estimé que ou ben t'es ton satisfait et les mêmes aller pour dire que et interview ça participer dans démarche de recycler des anciens dirigeants et pour me reprendre Molly des anciens dirigeants médias et politiciens gon l'autre auditeur et qui écrit moi qui dit que l'état haïtien dans cadre équipement blindé ça yo gon monde qui n'a pas le national li écrit mais même choisi pas citer non li qui était et commander des mauvais équipements et c'est pas ça la police t'es bail comme spécificité comme quoi et gon quoi qui était fait dans commander type blindé jeune yo et si bien comprendre occasion de répondre et avant dernier segment avant nous parler de questions d'enseignement et PM Lapin. Bon pour auditeur qui parle est-ce que tu as une sécurité là tu là comme premier ministre moi juste dit et auditeur ça faut lui te ca font petit bac en arrière pour lui voir côté situation de sécurité à sortir dans pays et comment vient prendre niveau ça et m'a dit auditeur à tout. Est-ce qu'elle était dans le pays, dans la période que moi-même l'aime venu comme premier ministre pour répondre à l'appel du devoir, j'en m'habitue d'y aller. Est-ce qu'elle pas connaît que le pays a été loc? Et dans quelle période le pays a été déloc? Et est-ce que c'est pas parce que pas de violence, puis on t'a dit qu'elle m'a fait massacre? Et qui fait au 10 jours d'y aller, qu'elle m'a fait rien pendant qu'elle était là comme sécurité? Non, c'est parce que nous-mêmes, nous avons une stratégie. Pour nous te faire en pile chit attendé, dans la nuit ou la journée, peut-être qu'il y a des chit attendés qui fait dans la nuit
avec des leaders, nous jouons un pile consensus pour nous arriver et de l'autre pays. Et faut qu'on dit que tout est bon, on symbiose, on dynamique, on synchronisation entre la police, entre travaux publics, entre SNIRS, pour nous prendre la rue, mettre pied dans la terre, pour nous développer et tout côté. Moi, je t'en remets que l'auditeur et comprendre tout. Et que, on peut même une différence qui gagne entre un premier ministre et nommé, un premier ministre ratifié, et qui gagne plein pouvoir d'action, et on pourrait ministre démissionnaire. Donc c'est on invite lui et font une recherche et sous point ça que moi-même soit avancé là. Pour donc, ça monsieur Lapin, oui. Pour ça vous estimez Ariel Henry t'a doué ou t'a capable plus résultat face à l'insécurité qui ou même l'autre premier ministre. Et parce que là Jodia monsieur Henry premier ministre Ariel Henry li nan yon situation de déception. Pas gain et parlement hein et li seulement gain pour rendre compte avec population et surtout dans action qu'il gagne pour lui porter pour le faire pour capable rétablir la sécurité publique donc différence c'est ça qui est lié donc après 2 janvier 2020 si mémoire m'a fait un défaut donc gain une certaine liberté dans l'affaire et premier ministre parce que pas gain parlement genre la loi constitution recommande ça pour qu'il ratifie premier ministre là ratifie action premier ministre gain pour le faire non pendant que moi comprends maintenant bon tu réponds ça en quelques secondes sur question comment blender et monde dans palais national après ça auditeur tu veux dire avant ou bon réponse sur affaiblir et renseignement m'a répété et même bagage que m'a habitué dit et m'te dit déjà sur affaire comment blender et est-ce que y a un changement qui fait dans commande là et ça moi pense que c'est et la police avec le ministère de la justice qui était responsable d'action de commandement qui est capable de répondre. Est-ce qu'il y a des gens qui fait cob sous Blendea? Moi, pas en mesure pour me dire que il y a des gens qui était quitté pays d'Haïti, qui t'a joué une compagnie, un fournisseur de services directs là, pour l'allonger et couler le bali pour lui dire, mon cher, c'est moi qui t'ai réglé ça pour vous, faut que vous bam cob. Parce que, circuit administratif qui était utilisé là, c'était commandé directement chez le fournisseur de services parce que l'aime déposer question moi-même, est-ce que Blendeo c'est sous auto, est-ce que c'est inauto, est-ce que c'est automéca et est-ce que c'est Universal Motors, c'est eux-mêmes qui a porté et commande là, yo dit non. Et mon zayo, pas avant matériel zayo, moi été exigé que commande la fait directement chez le fournisseur de services, qui c'est une structure étrangère, et circuit de paiement, il était passé par la BRH, qui lui-même, à partir de indications que fournisseur de services a été bail sous affaire banque, t'es voyé payer électroniquement. Qui est-ce qui t'a choisi fournisseur ça et qui est-ce qui t'a décidé spécificité Blendeo? Moun qui t'a choisi fournisseur yo et spécificité Blendeo, c'est un travail qui t'a fait entre la police et le ministère de la justice qui c'est responsable administratif dans affaire la police et moun qui t'a choisi yo, ça question ça encore m'a invité et Magic 9 et inviter l'autre monde qui était impliqué. Non, monsieur Lapin, et premier ministre à l'époque. Où c'était chef CSP dans l'époque? Écoutez, monde qui choisit fournisseur de services là, m'a dit encore et monsieur Geoffroy que t'es gagné une structure qui était montée, qui était gagné la police la donne, ministère de la justice la donne qui t'a cherché qui côté que effectivement, nous avons joint des blindés qui répondent à besoin de la police. Là, nous avons spécificité, nous avons technique,
Donc, mon Zayo, yo là toujours, yo pas en poste encore, malheureusement. C'est yo capable. C'est dommage. Si nous bien acheté, peut-être. Information. Si nous acheté bon blender, peut-être nous pas t'en ça nous y là, je vous dis à la n'a pas ces mises pour nous. Bon, moi, pensez même pas, mais au premier ministre, pas nécessairement connaît qui est-ce qui bon blender, qui pas bon blender. C'est peut-être ça, comme m'a dit, t'es gagné une équipe de travail qui t'es gagné un ministère de justice là-dedans. Qui te gagne la police la donne, qui te gagne marché public la donne, qui te gagne ministre de planification la donne, qui te abouti. Sous question d'enseignement, avant de nous remercier pour partager l'expérience, M. Lapin. Sous question d'enseignement, l'autre est là, combien de copes qui te gagne pour enseignement? Bon, l'homme, son bagage qui peut-être connu de tout le monde. Donc, il faut que nous ne pas prendre qui copes d'enseignement, c'est comme si son bagage qui fait un vase glos, son bail qui fait non c'est pas tout le monde qui connaît monsieur Lavé, désolé non, c'est pas tout le monde qui connaît voilà. Mais structure technique qu'est au niveau de la primature, qu'est au niveau ministère des finances, qu'est au niveau de la IBRH, vous connaissez ou pas, c'est eux même qui montent le dossier, c'est pas un dossier qui est exécuté en dehors des systèmes d'exploitation et financière. Donc ça m'a dit une réquisition qui c'est un administrateur qui a exploité la rubrique budgétaire pour la primature, ça m'a dit un secrétaire qui a tapé la réquisition, ça m'a dit un autre secrétaire encore qui a recevoir la réquisition de la primature pour les mettre à la signature ou bien à l'approbation des chefs de cabinet. Ou ça a côté administratif, ça a côté bureaucratie. Combien de budget disponible pour enseignement? Jusqu'à ce qu'elle arrive à venir au messager qui peut être la finance, et là, il demande, il passe 3 ou 4 étapes dans la finance pour aboutir dans le chèque-là. Donc, l'homme de là, légalement, sous budget, les budgets te permettent que, il y a 22 millions de gouttes à la disposition de la primature pour. Chaque mois. 22 millions de gouttes chaque mois. Mensuellement, oui. Soit de faire avec vous-même. Bon, mais moi-même, étant donné que je suis dans une situation spéciale, moi, j'étais allé vers une structure existante qui doit être permanente. Ça veut dire service de renseignement au niveau de la police, service de renseignement au niveau de l'armée, service de renseignement au niveau secrétaire d'État à la sécurité publique, service de renseignement au niveau du ministère de la Justice et service de renseignement au niveau du ministère de l'Intérieur. Ben, ça a été fait pour eux permanent. C'est pas à chaque fois un groupe politique monté qui est pour y reprendre, parce que l'on monte comme groupe politique au besoin d'enseignement pour capable orienter action dans les affaires sécurité publique. Donc moi-même c'est une structure ça. Donc comme 22 millions de gouttes là, monsieur Lapin, 22 millions de gouttes là, c'est eux-mêmes où tu voyez, c'est 4 structures ça où tu distribues le bail, si vous comprenez bien l'explication bail là. Justement, distribuer le bail, financer des actions, bail et travaux publics. Comme tu dis tout à l'heure, qui était impliqué en pile dans les affaires de l'autre pays, et gaz, bail toute machine la police, gaz, parce qu'il me devait rassurer moi que la police présente dans la ville. Quoi renseignement dans la primature? Comment dépense en fait? Est-ce qu'elle fait totalement à la discrétion du premier ministre là? C'est ça la loi. Le commandant, c'est bon bagage que un premier ministre, que c'était premier ministre hier, que c'était premier ministre Jodia, que c'est premier ministre qui vient pour le venir, qui choisit faire comme ça. Donc c'est ça la loi. Bon, si nous avons correction pour nous porter dans l'utilisation, que nous retournons dans la loi pour nous porter correction. 22 millions à dépenser à la seule discrétion d'un premier ministre. Aïe, merci, M. Lavé. Est-ce qu'elle pas plus dans l'autre pays où il y a une stabilité? Yo, résultat, oui. Yo, résultat dans l'autre pays, yo. L'autre pays qui est dans tête, nous, yo. C'est exigé résultat, yo. Comme moi, soit de moi-même, moi, t'es face à un pays lock. M'ba quoi, c'est moi qui pourrais rappeler personne monde qui s'a payé lock là, qui ça a été fait dans le fonctionnement, l'école qui était fermée. Qui ça a été fait dans le fonctionnement, l'hôpital qui était inexistant, et business, yo, banque yo, qui était fermé. Donc, moi-même, l'MT là, c'est à partir de 22 millions de gouttes, à partir des structures, ça, yo, et des services qui m'étaient payés, directement pour yo,
juste pour me rassurer que nous de l'autre pays a, et assurer présence. Vous te mettez quoi bataille à vous de l'autre pays a, en d'autres termes? Dans les actions et institutionnelles, pas mes combattants pour payer le monde, parce que nous avons 22 millions de gouttes. Au cas de l'autre pays, là, on faut qu'on ait. Et chaque mois, oui. Qui s'attaille, le pays à tes l'autre. Et c'est une situation. Et malgré tant de faits, 3-4 mois, où est qui situation même d'économie pays. Donc, c'est des responsabilités que nous avons. Merci beaucoup, monsieur Lapin, pour l'expérience partagée avec nous. Merci pour répondre à la question, nous, et question auditeur. Merci, oui, bonne journée. Bonne journée. Merci pour partager l'expérience. Merci beaucoup, émission spéciale. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, je chez Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick, même voix.